Jocelyne, tu as passé 3 jours ici avec Olivier, donc apprendre un petit peu la cuisine des crêpes et des galettes, parce que tu as un objectif de t'installer, de créer ta propre crêperie. Et oui. Ce ne sera pas seulement une crêperie, ce sera où ? Ce sera à Bernay, dans le Morbihan, à côté de Plouet, qui est plus réputé pour ses courses de vélo. Ouais. Et ce sera au milieu du village. D'accord. Complètement, mais c'était déjà un établissement avant, un commerce, c'était quoi ? C'était un bar qui faisait dancing, où j'y ai passé toute ma jeunesse. Ah oui ? Et qui faisait restaurant également. D'accord. Et qui est fermé depuis 10 ans. Qui est fermé depuis 10 ans et il n'y a jamais eu de repreneur. Non. Donc c'est un bourg qui a besoin de voir quelque chose se remettre en place. Oui, qui du coup a perdu tout son dynamisme et sa joie de vivre. Et qui, du coup, il y a une nouvelle municipalité, en plus, qui a été aux dernières élections. Ouais. Et qui a vraiment l'envie de développer ce renouveau du bourg et de la convivialité. Voilà. Donc, ils sont prêts à apporter leur concours. J'ai un super soutien de leur part. Oui, c'est bien, ça. Ils cherchent toutes les idées possibles pour m'aider, pour trouver des financements, pour trouver... des idées pour trouver... Oui, parce que tu as évoqué, quand on a parlé pendant 3 jours en cuisinant, c'est que tu as évoqué l'idée qu'effectivement, tu avais le support de certains partenaires. Comment tu appelais ça déjà ? Tu avais eu des subventions, non ? C'était ça ? Oui, alors du coup, c'est le maire qui m'a envoyé là-dessus, par la communauté de communes et par... Donc j'ai un prêt d'honneur de 12 000 euros à 0%, qui est remboursable, bien sûr. Il faut, il faut. Puisque c'est un prêt. Et j'ai également une subvention du CCI, là qui n'est pas remboursable, de 7 500 euros. Donc ça veut dire quand même que tu as déjà des partenaires qui non seulement croient en ton projet, mais soutiennent. Complètement. Ce qui est le plus important. Au CCI, j'ai affaire à Jean-Marie... Jean-Marie, qui est quelqu'un de phénoménal et qui me cherche tout ce que je peux avoir droit, tout ce que je peux... Il fait véritablement son job, quoi. Étonnée par rapport à toutes les installations que j'ai faites auparavant, que là, je ne demande rien et en fait, on m'apporte sur un plateau les aides que j'ai le droit, alors que jusqu'à présent, j'ai toujours cherché à avoir des aides et je n'avais jamais le droit. Parce que toi, dans ton histoire, en deux mots, c'est que t'es en matière d'entreprise, excuse-moi l'expression, t'es pas une perdrix de l'année, c'est-à-dire que t'as déjà tenu un salon de coiffure ou peut-être plusieurs. J'avais trois salons et un institut de beauté qui était franchisé, donc avec 12 salariés. Et voilà, donc aujourd'hui, je voulais plus de toutes ces grosses structures et je voulais quelque chose de plus familial et convivial. Et après, c'est vrai que pour en revenir à toutes ces aides, c'est aussi parce que je suis dans une zone rurale. Et du coup, il y a aussi l'État qui fait qu'il développe les zones rurales et qu'il y a plein de subventions, il y a plein d'aides qui sont faites, qui sont réservées aux zones rurales. Mais alors, de passer, je sais que tu as travaillé aussi dans l'immobilier. L'immobilier, la coiffure, ce sont deux métiers déjà un peu aux extrêmes. Et là, tu veux te lancer dans la crêperie, tu as même d'autres idées derrière. Et pourquoi ce grand écart-là ? Pourquoi les crêpes ? Pourquoi les galettes ? Parce que c'est ce qui m'a été demandé par les habitants de la commune, déjà. Ouais. Quand j'ai dit que je voulais reprendre cet établissement, je voulais reprendre cet établissement, je voulais recréer le dynamisme du bourg. Et après, c'était, en fait, par rapport à cet établissement, qu'est-ce qu'on allait en faire ? D'accord. C'était pas... je veux une crêperie et je cherche un établissement. Je veux ouvrir cet établissement et qu'est-ce que je vais en faire ? Et du coup, les habitants de la commune n'ont pas arrêté de me dire « Jocelyne, on n'a plus de crêperie. » Il y en avait deux quand j'étais enfant, c'est vrai. « On n'a plus de crêperie, ça nous manque. » Voilà. D'accord. Et dans les 5 communes aux alentours, il n'y a plus de crêperie non plus. Donc, c'était vraiment un besoin pour le... Donc, sans jeu de mots, t'as ton beurre à faire, quoi. J'espère, oui. C'est ça. Mais en même temps, tu n'es pas sans ignorer qu'on est... là, tu viens de faire la formation 3 jours avec moi et Olivier, qui l'a partagé avec toi. On n'est pas sans ignorer qu'on est dans une période de trouble pour tout le monde, et notamment pour la restauration et beaucoup de gens. Ça s'appelle une pandémie, là, avec ce petit virus qui nous emmerde et qui tue aussi. Donc aujourd'hui, il y a un peu, non pas une suspicion de la part de partenaires financiers et tout, mais c'est valable sur tous les trucs. C'est comment t'imagines, quelle cuisine t'imagines, parce que
On n'est pas sans ignorer que bah, si tu fais de l'emporter, ça peut être une géniale idée aussi. Complètement. En souhaitant que tout ça s'arrête, hein, mais si ça revenait, est-ce que tu as imaginé cela ? Oui, parce que de toute façon, même avant qu'il y ait la pandémie, j'avais quand même imaginé l'emporter. Parce que déjà, ça fait partie des us et des coutumes du village, ouais. D'acheter de la crêpe, enfin de la galette nature à emporter et qui garnissent eux-mêmes à la maison. Donc ça a toujours été comme ça. Moi, quand j'étais gamine, ouais. C'était comme ça aussi. Mes grands-parents, ils allaient chercher les galettes, ils achetaient une douzaine. Et tu as vu aussi qu'on pouvait faire des choses à emporter, un peu plus fermées, comme ce que j'appelle les croquants, tu parles généralement. Oui, voilà, après... Tu vois, tu peux développer, y compris sur peut-être quand tout ira un peu mieux, sur l'entreprise, tu vois, pour faire ça quand les gens font des réunions bureaux où on mange. Il ne faut pas que ce soit tous les jours non plus, parce que ça va être un peu gavant de faire des réunions tous les jours dans son bureau et de manger dans le bureau. Mais tu vois, on peut faire des choses à emporter. Et tu as évoqué aussi, quand tout ira bien et que tout le monde pourra s'assembler de nouveau et danser et se faire des bises, tu as pensé à certaines soirées que tu aimerais bien organiser. Oui, en fait, j'ai la chance d'avoir récupéré la salle du dancing, où je ne veux surtout pas faire boîte de nuit ni quoi que ce soit. Et je voudrais faire des soirées kick à farce. Voilà. Alors c'est quoi en deux mots le kick à farce? C'est le pot-au-feu breton. Ouais. Avec du blé noir. Ouais, ça. Et voilà, des choses vraiment. Mais je veux vraiment rester dans quelque chose de très. Même dans ma déco, je veux vraiment quelque chose qui soit très breton, sans être à outrance non plus, avec du breton partout. Oui, il ne faut pas tomber dans le cliché. Mais quoi. Voilà. Ouais. Mais qui reste très local et. Ouais. Voilà. Et c'est vrai que kick à farce, pour en avoir moi-même mis en place, c'est quelque chose qui prend très vite. Si tu fais simple, bon. Mais les gens ont tellement besoin de se réunir, et d'autant plus demain auront tellement besoin de le faire, qu'effectivement, ça peut aussi devenir un rendez-vous dans le village, qui va attirer ailleurs. Quoi. Mmh. Et tu imaginais aussi, parce qu'effectivement, il faut avoir une ouverture sur pas mal de choses, c'est que tu avais imaginé effectivement que. Ta crêperie, ce soit une crêperie pure, on va dire ça comme ça, en dehors des animations qui cafardent sur certaines soirées hivernales. Tu avais imaginé aussi qu'est-ce qu'on avait dit un plat du jour, c'est ça que tu m'avais dit. Le plat du jour, parce qu'il y a quand même aussi beaucoup d'artisans qui passent dans la commune et qui ne savent pas où aller manger. Donc, du coup, je voudrais... Et qui n'ont pas non plus envie de manger peut-être des galettes tous les midis. Oui, ça, c'est vrai. Donc, du coup, je pense que je vais faire un plat du jour différent chaque midi, mais... Un plat simple. Ouais. Ah oui, un plat du jour, un plat. Il n'y a pas d'entrée. Moi, je fonds pour une blanquette. Tu ferais une blanquette? Une blanquette de veau, bourguignon. Ah, c'est bon, ça, c'est bon. Et ça plaira aux artisans, aux ouvriers du coin, et puis les bureaux qui veulent changer un petit peu. Alors, ton ouverture pour être aller droit au but, c'est pour quand? Tu imagines ça quand, compte tenu des quelques travaux que tu as à faire, etc. Compte tenu des travaux, c'est surtout compte tenu de la pandémie. Oui. Sachant que là, tu vois, aujourd'hui, ils parlent de réouvrir les restaurants que mi-janvier, voire fin janvier. Ça laisse du temps de préparation. Oui, voilà. Je me dis, allez, pour le printemps, au pire des cas, mais j'espère avant. Oui, de toute façon, la roue continue à tourner, l'économie doit se relancer, etc. Donc, tout partenaire financier, c'est ça. Et ça, c'est important. Donc, comme en plus, tu as bien compris, tu m'as bien fait comprendre que tu ne voulais pas aller comme une malade sur des investissements de fou, mais de rester dans la simplicité, et c'est pour ça que tu as adopté une certaine idée de la cuisine et du service, ça ne peut que fonctionner, ça ne va que marcher, ça j'en suis certain. Mmh. Donc toi, tu as passé ces trois jours-là, comme je l'ai toujours dit, on ne devient pas crêpier ou crêpière en trois jours, mais le but c'est de générer énormément d'idées. C'est quoi? Tu repars avec quoi dans ta tête? Du coup, la façon de faire la crêpe ou la galette, en tous les cas de l'étaler sur le bilic. J'en ai retenu aussi toute la simplicité qu'elle a autour, que je me faisais toute une... Comment réussir à faire des galettes originales, enfin pas communes, qu'on voit dans toutes les crêperies, avec quelque chose de très simple et C'est le mariage, c'est ça, oui. Voilà, d'hyper hyper fonctionnel. Et puis, effectivement, avec des choses simples, on peut faire des trucs merveilleux. Je crois que c'est le truc. On va rester là-dessus. Et le caramel à beurre salé, non mais ça... Tu as une interdiction, c'est de le dévoiler. Hein, parce que celui-ci, ça, je l'ai bien entendu. Parce qu'il va se vendre, celui-là. Ouais, rien que ça. Il va se vendre.
Donc, ok. Ben, moi, Jocelyne, je vais te souhaiter plein de bonnes choses, comme j'ai pu le faire pour notre ami Olivier et pour tous ceux qui passent voilà, ici, dans mon petit atelier à Saint-Nazaire. Et puis, ben, comme je dis toujours, il y a mon service après-vente. Hein, ouais, merci. C'est-à-dire que les conseils, voilà, ça va au-delà, quoi. Merci beaucoup. Merci à toi. Bientôt. À bientôt. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je t'invite bien sûr à rejoindre la chaîne YouTube en activant la petite clochette et bien sûr de rejoindre le groupe L'Heroic sur Facebook, L'Heroic, L-E-R-O-I-C, pour partager tout plein de choses avec des passionnés comme toi. À très bientôt. Merci.